remporté de nombreux concours de chant, notamment la Biche d'Or, où elle est arrivée en troisième place, en finale. Première place également pour le concours à Villeneuve-d'Ornon. Et également à Lenton pour les Talents du Cœur. Je crois que ça aussi, ça s'applaudit. Elle participe également au côté humanitaire, puisqu'elle a fait des galas, notamment pour la lutte contre le cancer. Et il y a eu aussi un disque qui a été effectué avec le groupe, dont tu peux nous parler un petit peu. Alors actuellement, je suis en train de préparer un CD avec plusieurs enfants à la maison de disques NSP Records. Et du coup, il va sortir là prochainement. On a fait les enregistrements et il va sortir. Et puis j'espère que vous serez tous au courant quand ça va sortir. Voilà. Et je suis très contente d'être ici aussi. Ça me fait plaisir de chanter parce que c'est ma passion. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je chante. Et du coup, je suis très contente. Et aujourd'hui, je vais vous interpréter une chanson de Nicoletta qui s'appelle Mamie Blue. Un message pour toutes nos mamans et toutes nos grand-mères qui ont été là toujours pour nous. Et il faut rester avec elles parce qu'elles ont été très gentilles avec nous. Je n'ai rien à rajouter. C'est parfait. What?
mieux. Et je remets où le micro? Alors, je vais demander à Manu de venir. Tu l'as mort. Un énorme merci, 9 ans. 9 ans, s'il vous plaît, 9 ans. Je vais passer le micro à un des membres de mon jury. Cœur qui bat à 100, là. Merci, merci, c'était très, très beau, très. Voilà. T'es une artiste, hein, vraiment, une grande. Voilà, bah, j'ai pas grand chose à dire, c'était très, très bien. J'en ai pris plein les oreilles et plein les yeux. C'était. Merci. Voilà. Merci à vous. C'est assez hallucinant la présence que tu as pour 9 ans sur scène. Ça me rappelle une petite que j'ai vue dans la France, un incroyable talent qui s'appelle Erza et qui aujourd'hui a le succès qu'on connaît dans la Kids United. Je pense que tu es promis un très bel avenir en tout cas. Oui, yes.